On va parler de ceux qui lisent domine. Et -ce que, oh, je vais surtout m'attarder sur ce que tu vas trouver dans les livres. La première chose que tu vas trouver dans les livres, c'est la connaissance. Euh, je pourrais faire une émission, peut-être que je le ferai éventuellement, une émission au complet sur l'importance d'avoir la connaissance. Ceux qui savent gagnent. Dans le milieu du travail, ceux qui savent gagnent. Dans, les, dans le business, ceux qui savent gagnent. Dans le ministère, savoir va te donner une longueur d'avance, va te permettre de, de faire des choses que ceux qui ne savent pas ne pourront pas faire. J'aime beaucoup cette phrase de l'investisseur américain Warren Buffet. Il dit, ⁇ The more you learn, the more you earn. ⁇ Plus tu apprends, plus tu gagnes. Et donc, dans les livres, euh, c'est très rare que j'ai lu un livre où je n'ai pas appris quelque chose. Et des fois, je parle avec des gens de sujets, plein de sujets, tout ça. Et les gens, des fois, mais, ils se demandent, mais comment, comment se fait-il que tu sais ça? En fait, je l'ai appris dans les livres. J'ai su ça en lisant un livre. J'ai appris ça. Et tout ce que je fais, en fait, dans mon ministère, dans mon, dans mon travail, presque tout ce que je fais, il dit, je l'ai appris. Dans les livres. Évidemment, l'ultime de tous les livres, c'est la parole de Dieu. J'ai tellement appris dans la parole de Dieu et ça, c'est la, la lecture suprême, c'est la lecture de la parole de Dieu. Mais une des choses que tu vas apprendre dans les livres, c'est, tu vas trouver, c'est la, la connaissance. La deuxième chose très importante, c'est de nouvelles perspectives. Combien de fois dans ma vie, j'étais sur une route, j'étais dans une façon de penser, j'étais dans une façon de faire les choses et tout à coup, je lis un livre extraordinaire et ça m'a amené à changer de perspective j'en parle souvent dans mes formations en ligne euh, je donne des j'enseigne des principes tout ça et très souvent, j'explique ce principe a changé ma vie. Par exemple, un des principes que j'enseigne souvent sur la gestion du temps, c'est le principe des quatre cadrans. Cadran 1, 2, 3, 4. Euh, et ça, euh, j'ai appris ça dans le livre de Stephen Covey, Priorité aux priorités, où j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et là, en lisant son livre, j'ai appris le principe de notre vie se trouve à l'intérieur de quatre cadrans. Et le cadran 2 est le cadran des choses importantes, mais pas urgentes. Et c'est le cadran le plus important de notre vie. Si on investit beaucoup de temps dans le cadran 2 à faire des choses importantes, mais pas urgentes, on va avoir des méga résultats. Le résultat, le problème, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps dans le cadre 1, qui sont les choses importantes et urgentes. Donc, on est toujours dans l'urgence et on ne peut pas se développer. Et ainsi de suite, je ferai pas le, le, la formation aujourd'hui là-dessus. Mais tout ça pour dire que ça, j'aurais peut-être jamais su ça à moins de lire le livre. Et donc, il y a des nouvelles perspectives sur la gestion du temps, sur la vie chrétienne, sur la marche avec Dieu, sur la, le business, sur les relations, tout ça. Et ça, t'apprends ça dans les livres. Donc, changement de perspective. Troisième, et celui-là est vraiment important, troisième chose que tu vas trouver dans les livres, c'est les erreurs des autres. C'est tellement mieux, <laughs> je vais le dire là, mais c'est tellement mieux les erreurs des autres que nos propres erreurs. C'est-à-dire que, c'est bien d'apprendre de nos erreurs. Dans la vie, déjà, déjà, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui font des erreurs, qui perpétuent leurs erreurs, et ils n'apprennent jamais ça, c'est terrible. Et là, tu as fait une erreur, ça t'a ça coûté cher, et là, t'as appris. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais encore mieux que ça, c'est apprendre des erreurs des autres. Quelqu'un qui fait l'erreur, il te raconte les conséquences et tout ce que ça lui a coûté, et toi, tu dis, Wow. Je ne ferai pas cette erreur-là. Et ça, c'est ça qui est merveilleux, surtout dans les, dans les biographies ou dans les histoires de, de, de la vie des personnes, ou même dans, les, dans certains livres euh, de, 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 sur des thématiques, tout ça. L'auteur, souvent, il va raconter. Ces erreurs, moi je fais souvent dans mes écrits, dans mes livres, dans mes formations, je partage, j'ai fait cette erreur-là, ne faites surtout pas cette erreur-là. Et donc, tu gagnes des années de vie et euh, ça t'évite surtout beaucoup de souffrance. Et donc, dans les livres, quelqu'un qui lit beaucoup découvre plein d'erreurs à éviter que tu n'es pas obligé de les faire pour apprendre. Donc, c'est énorme. Quatrième chose que tu vas découvrir dans les livres, c'est des réponses à tes questions. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi j'ai plein de questions sur plein de sujets. Et l'une des choses que je trouve magnifique, euh, par exemple, lorsque j'ai démarré, euh, lorsque nous avons démarré Exponentiel, euh, le Seigneur m'appelait à intervenir dans le digital, dans le monde digital, sur Internet, et je n'avais aucune connaissance sur cet univers. Mais j'ai acheté plein de livres et j'ai commencé à lire des experts qui disent comment faire, comment faire, comment faire, comment faire un podcast, comment faire toutes ces choses-là. Et j'avais plein de questions et j'ai trouvé plein de réponses. Imagine, tu as quelqu'un qui, lui, c'est un spécialiste de la question que tu as et tu lis son livre, et donc 100 pages plus tard, 200 pages plus tard, 20 euros plus tard, eh bien, tu as plein de réponses à des questions que tu avais auparavant. Ça, c'est un des trucs très, très forts de la lecture. Quatre, cinquième euh, chose que tu vas trouver dans les livres, et ça, c'est dur à quantifier, mais c'est tellement, euh, mais ça, je pense que c'est des top, une des top choses que tu vas trouver dans les livres, c'est l'inspiration. Combien de fois j'ai lu l'histoire, le récit, la vie de quelqu'un et euh, son témoignage est dans un livre et j'étais tellement inspiré. Combien de fois j'ai lu un livre sur la, la marche chrétienne, la vie chrétienne, sur la foi, sur des thématiques de la parole de Dieu tout ça. Et après avoir lu le livre, j'étais méga inspiré à servir Dieu. Je le lisais justement ce matin, ce matin même, euh, avant de faire ce podcast, je lisais un livre chez moi. Je lisais quelques chapitres d'un livre euh, et puis il parlait des objectifs, d'avoir des objectifs et, et comment atteindre nos objectifs en tant qu'enfant de Dieu, l'objectif de Dieu pour nous, tout ça. Et je lisais ça, puis après avoir lu le livre, j'étais tellement boosté, j'étais wow, j'étais inspiré euh, à fond. Et ça, c'est 15 minutes, 30 minutes de lecture dans un livre. Et tout à coup, tu as de l'inspiration. Beaucoup de gens, des fois, ils disent, oh, je ne suis pas inspiré, je suis négatif, je me sens déprimé, tout ça. Je t'assure que tu vas lire des bons livres inspirants. Et tu, ça va changer l'atmosphère de ta vie, ça va changer ta perspective de la vie. Sixième chose que tu vas trouver dans les livres, c'est les méthodes. Une des choses que je trouve complètement euh, incompréhensible, mais c'est une réalité. En, au moment où je fais ce podcast, dans, la, dans, la, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'il y ait encore des gens qui persistent à faire des choses qui fonctionnent pas et ne pas chercher les méthodes. Un des, un des exemples que j'utilise souvent, c'est il euh, y a tellement de livres qui ont été écrits, par exemple, sur euh, l'implantation d'église. Je te donne un exemple. Dieu appelle. T'appelles, on va dire, à implanter une église. Et là, tu vas faire toutes les erreurs pendant des années, alors qu'il y a des gens qui ont écrit des méthodes. Voici la meilleure méthode pour implanter une église. Le gars a implanté sans église. Tu vois? Et il y a eu plein d'églises qui ont réussi. Et là, il te donne sa méthode. Alors, pour quelques euros, quelques heures de lecture, tu vas avoir des méthodes pour, dans n'importe quel domaine de la vie, tu vas avoir des méthodes. Et ça, c'est un des trucs que je trouve formidable Septième chose que tu vas trouver dans les livres, c'est le courage. Récemment, et d'ailleurs dans mon résumé de livres, j'en ai parlé euh, sur, sur ma plateforme de mentorat Exponential Classroom. J'ai parlé d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Kontiki, qui l'histoire d'un Norvégien qui est en 1946-47, 1946-47, qui est parti du Pérou jusqu'à Tahiti en radeau en fait il voulait prouver que les premiers colonisateurs ou les premiers arrivants de, qui sont arrivés en polynésie venaient du pérou il fallait traverser euh, des milliers de kilomètres en radeau d'époque et il voulait prouver que c'était possible alors ce qu'il a fait c'est qu'il a, qu a avec 4-5 autres personnes ils ont bâti un radeau avec des, des lianes et tout ça et ils sont partis sur la mer tout le monde disait qu'ils pouvaient pas réussir ils ont été ils ont, ont suivi des tempêtes ils ont il y a eu des requins qui les attaquaient il y a eu plein de choses incroyables et euh, j'ai en fait, ça fortifie le courage quand tu lis des histoires comme ça, parce que tu dis, si, il euh, y a des gars qui peuvent partir, se traverser l'océan Pacifique en radeau, eh bien, je pense que je peux, euh, faire, euh, je peux faire une tentative de passer une interview pour un nouvel emploi. Je peux peut-être euh, faire une vidéo sur YouTube, tu vois. Et donc, quand tu lis des livres comme ça, eh bien, ça fortifie ton courage. Combien de fois j'ai lu des livres qui ont fortifié mon courage? Huitième chose que tu vas trouver dans, le li dans les livres, c'est les leçons du passé. Le roi Salomon dit dans un 1.9, il dit, rien de nouveau sous le soleil. Et l'une des choses fascinantes, je lisais récemment euh, l'histoire de, 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 de serviteurs de Dieu du 19e siècle. Et puis, ils partageaient dans son histoire, dans leurs histoires, les problèmes qu'ils avaient, ils partageaient les difficultés auxquelles ils devaient faire face. Et je lisais ça, puis je me disais, c'est incroyable, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. C'est la même chose. C'est juste, les contextes ont changé, la, la technologie a changé, mais c'est les mêmes êtres humains avec les mêmes problèmes, les mêmes défis. Et là, ils partagent, comment les, euh, comment il a passé au travers qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il faut éviter tout ça et toi tu lis ça et tu te transportes aujourd'hui tu te dis ben je fais face à la même situation que le gars au 19e siècle J'ai entendu à un moment donné un historien qui s'appelle Will Durant il a dit ceci il dit on devrait passer moins de moins de temps dans les dernières 24 heures d'informations nouvelles et passer plus de temps dans les derniers 2000 ans et, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a tellement de leçons à, à apprendre au travers de l'histoire. Même quand on regarde les guerres, les conflits, tu retournes en arrière, c'est exactement la même chose. Et on voit aussi certaines guerres qui ont démarré sur des, pour des, des raisons ridicules. Et on voit par la suite tous les morts qu'il y a eu. Toutes les... Et là, si plus de, de dirigeants, des politiciens, tout ça lisait l'histoire, peut-être qu'ils se diraient hmm, Je suis pas sûr qu'on devrait faire une guerre en ce moment si on regarde les enjeux et les conséquences basées sur des choses du passé. Donc, ça, c'est une des richesses extraordinaires de. Euh, de la lecture par exemple si tu es dans le business tu lis l'histoire de Sam Walton le fondateur de Walmart qui a juste à la fin de sa vie, avant de mourir, il a écrit un livre euh, Made in America où il raconte un peu son histoire. Puis il raconte comment, lorsqu'il a, il a, il a démarré son premier magasin, euh, comment il n'avait pas trop lu le contrat, il s'est fait rouler complètement quand le, com le magasin a commencé à bien fonctionner. Le, le propriétaire du bâtiment a repris le magasin et tout ça, et il s'est fait rouler, il a perdu son commerce et simplement parce qu'il a pas lu euh, le contrat. Et donc là, tu apprends leçon du passé. Tu es dans le business. Avant de signer un contrat, je vais m'assurer, basé sur ce que j'ai lu de Sam Walton, je vais m'assurer de bien lire le contrat, toi. Donc ça, c'est une des choses formidables, leçon du passé. Neuvième chose que tu vas découvrir dans les livres, c'est une vision du monde élargi. L'un des, des problèmes que l'on peut avoir dans la vie, c'est qu'on qu ne voyage pas, c'est qu'on pense que ce que l'on vit, il n'y a que ça qui se passe sur la Terre. Euh, tu vis une situation à ton travail avec un patron intolérable, on va dire, et tu as l'impression que la vie, c'est ça. Mais quand tu commences à voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, des gens qui souffrent vraiment, des vraies batailles, des vraies difficultés, des vrais défis, des réalités, tout ça, ça élargit tellement tes horizons. Et euh, parfois, on peut pas voyager, mais une des choses qui est formidable avec les livres, c'est que ça nous permet de voyager. Et quelqu'un qui lit beaucoup, eh bien, a une vision du monde beaucoup plus large que la personne qui voyage pas et qui lit pas et qui fait seulement regarder les infos à la télé et seulement ce que ses collègues de travail disent. Imagine la limitation, la petitesse et l'étroitesse d'esprit que tu peux avoir, alors que quand tu lis, ça élargit tes horizons, tu vois qu'il existe autre chose, tu vois qu'il y a d'autres réalités, ça te fait apprécier ce que tu as, ça te fait aspirer à certaines choses. C'est extrêmement puissant. Et le dixième euh, bénéfice de lire, c'est un accès à des gens extraordinaires. On ne pourra pas dans notre vie avoir accès à toutes les personnes extraordinaires qu'il y a dans ce monde. Par exemple, moi, il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu que j'admire énormément. Euh, j'aimerais tellement aller prendre un café avec un tel, j'aimerais tellement pouvoir passer du temps avec un, un autre, des gens qui font des hommes de Dieu, qui font des exploits, qui accomplissent des gens sur la Terre en ce moment, qui font des choses tellement plus grandes que moi, tellement mieux que moi. Et j'aimerais tellement pouvoir passer du temps avec eux. Mais la vérité, c'est que... Pour la majorité de ces personnes-là, ça ne pourrait pas arriver. Ils, ils n'ont pas le temps de passer du temps avec moi. Je, je ne pourrais pas me rendre. Et il y a plein de raisons qui font en sorte que ça ne pourrait arriver. Ça ne pourra pas arriver. Et également, il y a plein de gens extraordinaires qui sont décédés, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Mais les livres nous permettent d'avoir accès à ces gens-là. Tu peux lire des, des livres de personnes qui ont fait des choses. Phénoménal. Il y a 100 ans de ça, des gens dans l'histoire, des gens dans d'autres pays, des gens célèbres, des gens euh, qui ont gagné des prix Nobel, des gens qui ont fait des exploits pour Dieu, des missionnaires. Tu lis l'histoire de Hudson Taylor, le missionnaire de Chine, wow, tu lis l'histoire de D.L. Moody, tu lis l'histoire de, de, de Charles Studd en Afrique, Tout ça, tous ces missionnaires qui ont fait des choses fantastiques. Tu lis ça, tu es inspiré, tu es élargi, tu as accès à la vie et aux exploits et à la façon de penser de gens extraordinaires que tu ne pro probablement jamais rencontrés surtout ceux qui sont décédés et donc tu as accès à tout ça dans les livres. Lire c'est simplement phénoménal. J'ai un budget pour les livres, je dépense beaucoup d'argent dans les livres et je n'ai jamais perdu. En achetant un livre, il s'agit que tu lises simplement un paragraphe puissant et ça peut changer ta vie pour toujours. Ceux qui lisent dominent. Écris-le dans les commentaires. Ceux qui lisent dominent. Écris les livres qui t'ont impacté. N'hésite pas à écrire. Et moi, en tout cas, personnellement, j'encourage tous ceux qui vont regarder la vidéo à lire les références et à acheter certains des livres qui vont te recommander. Moi, c'est sûr que je vais le faire. Alors, n'hésite pas à dire le livre qui t'a impacté. Et surtout, je t'encourage à lire, à lire, à lire et à lire toujours plus. Alors, si c'est